Ce pauvre policier est malade. On dirait que ce sont les enfants des médecins pauvres et riches. Oh oh, j'ai l'impression que ces enfants préparent un mauvais coup. Heureusement, j'ai une seringue pour retirer toute la membre de son nez. Je vais faire la même chose avec son oreille. Regarde, ça remplit rapidement le baril. Laissons-le là. Il a l'air si drôle. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu m'as fait? Oh là là, qu'est-ce qui est arrivé au flic? Je vois que tu as fait une farce, c'est très drôle. Arrête de rire, ce n'est pas gentil. Tu trouves ça drôle? Vous êtes tous en état d'arrestation. Non! Non! Vous venez avec moi en prison. Rentrez dans votre cellule. Burke, on ne va pas rester avec ces pauvres gens. Vous êtes de la viande morte. J'ai tellement peur. Sortez-nous de là. Au secours. Officier, s'il vous plaît. Prenez tout cet argent et emmenez-nous dans une autre pièce. Wow, je ne peux pas laisser passer tout cet argent. D'accord, allons-y. Youpi. Hé, attendez-moi. C'est notre nouvelle cellule. Tout est en or. Cet endroit est le meilleur. Vous ferez mieux de bien vous tenir là-dedans. Pierre, papier, ciseaux. Encore une fois, je n'arrête pas de perdre. Je te défie de manger ce poisson. Le policier est trop occupé pour le remarquer. Vas-y, fais-le. Bon, c'est parti. Viens ici, poisson. Je l'ai. Il est tout petit. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Mets-le dans ta bouche. Oh oh, le garçon est en train de s'étouffer. Hein? Où est mon poisson? Il a disparu! Manœuvre de Heimlich! Oh mince, c'est grave! Tiens, je vais essayer de le retirer avec une canne à pêche. Je l'ai presque! Je le sens! S'il vous plaît, sauvez mon poisson! Tire! Je l'ai! Ouf! Mon poisson est vivant! Comment oses-tu le manger? Rends-le-moi tout de suite! Oh, te voilà, mon précieux poisson. Est-ce qu'ils t'ont fait du mal? Regarde, il y a tellement de bonbons dans les toilettes. Waouh! Je vais tous les manger. Il y a un bonbon coincé dans mon nez. Maman! À l'aide! C'est énorme! Aidez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes un officier. Je ne sais pas quoi faire. Un lingot d'or. Je veux dire que je sais exactement quoi faire. Je reviens tout de suite. C'est un irrigateur nasal. Vous remercie. Je vais mettre ça dans votre narine pour que ça pousse les bonbons hors de ton nez. Oh mon Dieu, il est même sorti avec de la morve. C'est vraiment dégoûtant. J'en ai plein la main. Je peux enfin respirer. Oui, et je suis riche. Moi. Hurrah, mes gadgets sont géniaux. La douche est par là. Profitez de votre bain. Laisse-nous respirer. Tu t'amuses bien? Aïe, j'ai du chagrin dans l'œil. Oh mon Dieu. Oh, attends, je peux demander de l'aide au policier. De l'argent? Voici le gadget. Merci. Cette couronne va empêcher le shampoing de couler dans ses yeux. Oui, ça marche. Oh, attends, encore une chose. Une barre d'or cette fois? D'accord, une seconde. Et voilà! Une pomme de douche en forme de canard en caoutchouc! Rincer le shampoing va être encore plus amusant! Ouais! Nous avons presque terminé! C'est fait! Tu sens bon le bain! Ouais! J'aime toujours l'heure du bain! Le pauvre docteur donne un bain à son fils! Burke! Papa! L'eau est sale! Oh non! Attends! J'ai un cure-dent! Je vais l'utiliser pour nettoyer la pomme de douche. Il suffit de taper dans les trous, jusqu'au dernier trou, et c'est propre. Tu vois, l'eau est à nouveau claire. Tu peux maintenant profiter de ton bain. Mais je ne veux pas abîmer mes cheveux. Enlève-les. Oh. Et maintenant, j'ai une idée. Utilisons cette bouteille d'eau pour couvrir tes cheveux. Tu pourras prendre un bain sans t'abîmer les cheveux. Maintenant, on parle. Papa est tellement intelligent. Cette nourriture est dégueulasse. Burke. Je m'ennuie tellement. Waouh, qu'est-ce que c'est? Oh oh, on dirait une ruche. Je vais essayer de l'écraser. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Est-ce que tu viens de heurter une ruche?
Elle nous attaque! Cours pour sauver ta vie! Il y en a tellement! Sors d'ici! Oh non! Ils viennent vers moi! Stop! Stop! Aide-moi! Qu'est-il arrivé à mon fils? Oh non! Il tombe méchamment piqué! Réfléchis! Une fourchette? Je sais! J'ai besoin de deux fourchettes et d'un élastique. Je placerai les fourchettes dos à dos, puis je les attacherai ensemble avec l'élastique. C'est une pince à épiler bricolée. Maintenant, nous pouvons arracher ces piqûres d'abeilles. Tu es prêt? Facile! Il suffit de le presser et de faire de même avec le reste. Il y a tellement de choses qui sortent! Waouh! Mon visage est tout à fait guéri! Ton papa est si intelligent! Viens te faire un câlin! Joyeux anniversaire, ma chérie! Waouh! Est-ce que c'est un hérisson? Oh oh! Elle va le toucher! Elle m'a piqué! C'est bon! J'ai un extracteur d'or! Ça permettra d'enlever facilement toutes ses pointes! Tu vois, rapide et facile! Juste comme ça! Ce gadget est génial! Tu m'as sauvé, maman! Merci! Oh, je déteste ces boutons! C'est un pistolet à eau! Eww! Tu me frappes avec le pus de tes boutons! Qu'est-ce qui ne va pas, ma chérie? Oh non! Tu as des boutons! Celui-ci est assez gros! Qu'est-ce que je dois faire? Oh, je sais! Je vais utiliser cette barre d'or et acheter un gadget de succion. Celui-ci aspirera tout le pus des boutons. En appuyant simplement sur un bouton, tes boutons disparaîtront. Tu as réussi! Youpi! Bon sang, j'ai beaucoup de boutons. Je devrais peut-être essayer de les faire éclater. On approche. Oh! Tu m'as frappé! C'est vraiment dégoûtant. Maintenant, j'ai aussi un bouton. Voyons ce que nous avons là. Est-ce que c'est un escargot? Berk, c'est dégoûtant. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Ce sont des boutons! Ne t'inquiète pas, j'ai une solution pour cela. Viens ici, petit escargot. Regarde, appliquant la barbe d'escargot sur tout ton visage. Waouh! Mon visage est si lisse! Tape, mon 5. Hein? Le voilà qui arrive! Ah, ah, achou! Oh oh! Cette morve vole à 1000 à l'heure. C'est moi qui l'ai fait! Tu as tout gâché, cette morve stupide! Attends, mon fils est malade! Il a besoin de médicaments! Heureusement que j'ai un sirop contre la toux! Fiston, tu dois prendre ça! Ça sent mauvais! Tu as raison, c'est tellement amer! Laisse-moi réfléchir à une autre façon de faire! Je vais verser le sirop sur ta sucette! Tu aurais peut-être dû nettoyer cette sucette avant! Il pensera que le sirop est juste quelque chose de sucré! Regarde, voilà une sucette! Berk, je n'aime pas ça! Aïe! Elle est collée à ma moustache! Une bouteille de Coca-Cola! J'ai une idée! Je vais prendre le Coca-Cola, l'ouvrir et y verser le sirop pour la toux. Mon fils ne verra même pas la différence! Cela devrait suffire! Posons-le pendant un moment jusqu'à ce qu'il se transforme en gelée! Voilà ta gelée de Coca-Cola! Et c'est là! Continue! Waouh! Ça a un goût incroyable! Ça a marché! C'est la meilleure des friandises! Je suis malade! Achou! Ma pauvre fille! Pourquoi continues-tu à éternuer? Plus de bonbons, jeune fille! C'est pour cela que tu es malade! Tu devrais prendre ce médicament! Je n'en veux pas! Qu'est-ce que je vais faire de toi? Officier! Police! Qu'est-ce qu'il y a? Je suis là! Prenez l'argent et faites en sorte que ma fille prenne ses médicaments. Allez, allez, allez! Je suis de retour avec une machine griffe. Mets la pilule à l'intérieur et mélange-la avec les bonbons. De cette façon, elle pensera que ce n'est qu'un bonbon. Essaye! Regarde, c'est un jeu! Prends ce bonbon! C'est très excitant! Je veux cet énorme bonbon! Je l'ai eu! Tu es si près du but! Yeah! Miam, miam, miam! Je l'aime bien! Je me sens tellement mieux maintenant! La riche doctoresse est occupée à regarder la télévision pendant que sa fille dort. Il y a un monstre d'ombre! Tu m'as surprise avec ton cri! Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a pas de monstre!
c'est juste un rêve. Ne me quitte pas. S'il te plaît, dors avec moi. Qu'est-ce que je devrais faire? Oh, je sais. Police! Police! Qu'est-ce que c'est que ce bruit? C'est le milieu de la nuit. Vous pouvez avoir tout cet argent, mais protégez ma fille et mettez-la en sécurité. D'accord, bien sûr. Tu peux avoir cet ours en peluche. D'accord, bonne nuit. Enfin, je peux regarder tranquillement mon émission préférée. Pourquoi cette stupide télévision ne fonctionne-t-elle pas? Allez! Oh non! Est-ce que c'est un monstre d'ombre? Hein? Qu'est-ce que c'est que cette chose? Oh non! Qu'est-ce qui ne va pas avec mon fils? Il y a un monstre là-bas! Je ne vois rien du tout. Tu as probablement fait un cauchemar. Rendors-toi. Ne me laisse pas! J'ai peur! Non! Qu'est-ce que je dois faire? Un gant! Je le mets sur une tasse. Puis j'ajoute quelques grains de riz pour le remplir. Maintenant, il est lourd comme une vraie main. Allonge-toi. Je vais mettre ça sur ton épaule pour que tu aies l'impression que je te touche. Waouh! Pourquoi y a-t-il autant de photos de papa? Attends, il est juste là. Bon, je vais me rendormir. Le jour le plus redouté, la vaccination. C'est le tour des enfants. Qui est prêt pour sa piqûre? Éloigne-toi d'eux! Allez! J'ai de meilleures solutions. C'est aromatisé aux fruits. Super! Je vais m'en occuper. Tu veux essayer notre tout nouveau shot aromatisé au Fanta? C'est doux! Donne-moi un peu plus! Maintenant qu'il est distrait, c'est l'heure de la vraie piqûre. Je l'ai déguisé en requin pour qu'il ne soit pas trop effrayant. C'est facile! C'est comme ça que tu traites un enfant. Réfléchis à un. Qu'est-ce que c'est que ça, là-bas? Quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Super, elle est distraite, c'est ma chance. Continue de regarder par là. J'ai juste besoin de te rafistoler et c'est fini. Quoi? Comment est-ce arrivé? Détends-toi, t'as un médecin intelligent. C'est l'heure des bonbons. Je prendrai pas cette pilule géante. Ce sont des Skittles? J'ai une idée géniale. Je vais cacher cette pilule dans les bonbons. Regarde, j'ai trouvé une machine pour bonbons. Waouh, c'est trop cool! Je veux prendre une tonne de bonbons! J'en ai un! Yay! Viens vers moi! Waouh, ces bonbons sont énormes! Et j'ai même pas transpiré! Je veux pas de ce médicament! Éloigne-le de moi! Tu vas prendre la pilule ou bien... Un marteau? Hey yeah! Je vais le réduire en poudre! Hein? J'en veux pas! Je vais mettre la pilule en poudre dans un bol. Puis j'ajouterai des graines de chia. Maintenant, on verse de l'eau. Et cette poche de sang est encore utile. Je vais ajouter une goutte de sang et commencer à remuer. Voilà, c'est prêt. J'ai préparé un bonbon gluant juste pour toi. Essaye! Waouh, c'est aromatisé à la fraise! Goûte. Ok. C'est délicieux. Tu vois, je l'ai piégée pour qu'elle prenne le médicament. Peu importe. Les enfants pauvres et riches ont des problèmes d'oreilles. Heureusement que les docteurs pauvres et riches sont là. Laisse-moi examiner le problème. T'as une araignée qui vit dans ton oreille. J'ai besoin de ce pop tube. Eh, où est mon jouet? Je suis de retour. Je vais utiliser le tube pour faire sortir une boule de cire géante de ton autre oreille. Ah, tant de cire d'oreille! Au moins, je peux enfin t'entendre. Je t'avais dit que ça marcherait. Je suis en train de regarder l'intérieur de tes oreilles avec une caméra. Waouh, il y a beaucoup de diamants là-dedans. Il est temps de les extraire. C'est comme un trésor dans ton oreille. Je cherche du cérumen. C'est parti! Il est temps de devenir riche! Je vais ramasser tous ces diamants. Le cérumen contient tellement de trésors. C'est quand même assez dégoûtant. Je me sens tellement mieux maintenant. Ces diamants sont au paiement. Je rentre chez moi et riche. Regarde mes tours de skateboard! J'ai de meilleurs tours, moi! Oh, oh, attention! Je perds l'équilibre! Ah!
Oh, le skateboard s'est écrasé. Oh là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est embarrassant, mais je crois que j'ai perdu ma dent de devant. J'ai une idée. Je vais utiliser de la colle pour remettre ta dent en place. Donne-moi juste une seconde pour que ça marche. C'est prêt! Qu'est-ce que tu ressens? Ma dent est de travers. Oups, je crois que j'aurais dû utiliser de la super colle. T'as perdu une dent? Attends, je vais appeler quelqu'un. Oui? Hé, quoi de neuf? Qui êtes-vous? L'homme en noir est venu chercher ses dents en or. Merci. Maintenant, retrouvons ce sourire. Essayons ceci. Pourquoi ne donnes-tu pas un petit sourire? Ça me va bien en tant que garçon riche. Est-ce que ce sont des éruptions cutanées sur leur visage? Je vois ce qui se passe. Vous avez besoin d'antiseptique. On en met sur les éruptions cutanées. Waouh, mon visage ne me démange plus. Et moi, qu'est-ce que j'ai? Tu essaies de faire comme l'incroyable Hulk. Docteur, aide-moi! Oh! Hé! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai aussi des éruptions cutanées. Burk, attends, j'ai une idée. Faisons-le de façon biologique. Transformons ce chou en masque de beauté. Non! Tu as gaspillé ma nourriture! Oh! Qu'est-ce que le docteur est en train de faire? Je vous présente l'emporte-pièce à forme. Je vais l'utiliser pour faire des petites formes amusantes avec le chou. C'est bon, c'est prêt. Je vais mettre une forme sur chaque éruption cutanée. Waouh, mon visage est joli! C'est mieux que de ressembler à Hulk, non? Ces abeilles sont définitivement attirées par ce sirop de miel. Oh non! Le garçon est sur le point de mordre dans une gaufre au goût d'abeille. Hein? Tu ressembles à un hamster! Oh non! J'ai aussi une abeille sur moi! Je me suis fait piquer! Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai besoin de brûler le dard. Non! Es-tu prête? C'est l'heure de cuisiner! Ça brûle! Regarde le feu brûler le dard! Heureusement que j'ai apporté un mini extincteur. Juste un petit jet par ici. On essuie toute la mousse. Je suis le meilleur docteur. J'ai une piqûre d'abeille sur la langue. C'est un code rouge. Super, le paquet est déployé. Ouvrons-le. Cette pompe va tout arranger. Elle pompe l'aiguillon et le poison. Waouh, t'es le meilleur, Doc. Regarde, je peux attraper le Lego dans ma bouche. Cool, je vais essayer. Ah, je crois qu'il est resté coincé dans mon nez. Oh, zut, je crois que j'ai avalé le Lego. 911. Quelle est l'urgence? Oh là là, t'as avalé une brique de Lego. Rien qu'un dispositif de pompage ne puisse réparer. Ça va pomper le Lego. Je l'ai. C'est un risque d'étouffement. On peut utiliser des tapis d'alphabet à la place. Yay, je veux jouer. La dernière pièce. Laisse-moi réparer le toit. C'est presque fini. Waouh, ma propre maison de l'alphabet. D'accord, je vais essayer de retirer les Legos avec une pince à épiler. C'est dégoûtant et c'est plein de morve. Tu sais quoi? Ça pourrait être utile. Prends un Lego Pop-It. Maintenant, je vais remplir le moule avec des chocolats colorés. Laisse-le durcir. Et c'est reparti. Démoule-le. Voilà, nous avons maintenant des Lego comestibles. J'ai un goûter Lego pour toi. Waouh! Je veux d'abord essayer de construire une tour. Pourquoi n'essaies-tu pas? Nom! J'adore ça. Mon astuce est meilleure que ces gadgets stupides. Ça gratte tellement. Regardons de plus près. Ta tête est pleine de poux. J'ai besoin de la loupe. Hé! Mon patient a aussi la tête qu'il démange. Sa tête est également infestée de poux. Je sais ce qu'il faut faire. Je reviens tout de suite. Je suis de retour et tout habillée. Wow! Détends-toi, je suis que ton médecin. Je t'ai préparé un bain. On va te mettre dans cette piscine gonflable. Commençons par le shampoing contre les poux. Nous allons devoir en utiliser beaucoup pour être sûr de noyer tous les poux. C'est trop! J'ai du shampoing dans l'œil! Oups, ne t'inquiète pas, j'ai un gadget pour ça.
Cette visière empêchera le shampoing de pénétrer dans tes yeux. Une dernière chose, un pommeau de douche canard. Pendant que le canard conduit son bateau, tu prends une douche. Tu vois ça? Mes gadgets fonctionnent parfaitement. C'est fait! Waouh, ma tête ne me démange plus! Je devrais me couvrir la tête pour éloigner les bestioles. Et un couvercle de poils à frire pour protéger mon visage. Ok, je suis bien habillée. Laisse-moi vérifier les poux dans tes cheveux. Il y en a trop! Oh, j'arrive pas à respirer dans ce truc! Il faut qu'on te rase les cheveux. Quoi? Pas de cheveux, pas de poux. Mes cheveux! On a presque fini. Je vois plus de poux. Mes cheveux! Au moins, on a résolu le problème, n'est-ce pas? Hulk est à moi! Non, à moi! Je pense pas que Hulk ait des pouvoirs de super étirement. Aouh! Aïe! Les deux enfants se sont fait mal au bras en tombant. Mon patient est blessé. Assieds-toi et montre-moi ton bras. On va faire une radio. Oh oh, tu t'es cassé l'os. C'est grave. Est-ce que c'est le gant de Thanos? J'ai une idée brillante. Je dois passer un coup de fil. Oui, apportez-le ici. Ton colis est arrivé. Super, merci. Je me demande quelle est la surprise. Tada! C'est le gant de Thanos. Si tu le portes, tu seras le garçon le plus puissant du monde. Wow, c'est trop cool! N'oublie pas ton écharpe dorée pour tenir ton bras. Une écharpe de l'infini. Vérifions ton cou. Ouvre. Mais c'est mon bras qui me fait mal. Eh bien, laisse-moi réfléchir. Hein? On va utiliser ça pour tenir ton bras. Comment? Essayons. Oups, il doit y avoir un autre moyen. Dieu merci, il se débarrasse enfin de ses vieilles chaussettes. Je vais utiliser mes vieilles chaussettes pour tenir les bâtons ensemble. Ça sent mauvais! Eh bien, tu devras faire avec. Bienvenue dans ton service, pauvre fille. Waouh, c'est chic! La pauvre fille vient de souiller le lit chic avec ses pieds sales. Oh, non, non, non! Descends de là tout de suite! Ce n'est pas ton lit! Quoi? C'est pas ton lit! Tu es pauvre, alors ça, c'est ton lit. Et ça, c'est ton pauvre docteur. Bon sang, ces enfants! Je vais faire le lit du garçon riche avec des draps en or. Un tapis rouge? Waouh, c'est le petit riche! Et il a aussi un docteur riche? Chouette! Le docteur riche contre le docteur pauvre, à votre avis, qui est le meilleur? J'ai l'impression que le Père Noël ne va pas laisser de cadeaux à ses vilains enfants. Oh oh! Leurs langues sont gelées et collées au poteau! Ils ont besoin de médecins! C'est le docteur pauvre! Et le docteur riche! Je vais utiliser ce mini ventilateur pour souffler de la chaleur sur ta langue. C'est simple comme bonjour! Merci docteur! Voici ton paiement! C'est une belle journée pour être riche! J'ai besoin de quelque chose de chaud pour calmer... Hein? Une tasse de thé bien chaude. Tiens, je vais te le verser sur la langue. Oups, ça va laisser une marque. C'est tellement chaud. Ah, chaud, chaud, chaud. Eh, au moins tu t'en es sorti. Quelqu'un vient de prendre un bain de boue. C'est de pire en pire. Elle est en train de tacher les draps blancs. Ouais, hop, hop, hop. J'adore sauter. Yeah. Que se passe-t-il ici? Toute cette boue par terre. Oh non, pas le lit! C'est trop... Ce n'est pas bien. On va vous nettoyer, jeune fille. Une brosse sur une perceuse? C'est quoi ça? Viens ici que je te nettoie les pieds. Non, laissez-moi! Viens ici! Calme-toi, vilaine! Il faut nettoyer ses pieds sales! Je te tiens! Hein? Je m'en occupe! Tiens, ces bottines vont te nettoyer les pieds. Je les remplis de Sprite. Puis j'ajoute des Mentos pour une petite explosion de bulles. Ça va juste chatouiller un peu. Waouh, c'est agréable! Vas-y, mets tes pieds sur la serviette pour les sécher. Tout propre! Mais il faut s'occuper de ces tâches.
Quel cauchemar! Va falloir te mettre au travail, mon vieux. Oh non, c'était pas un cauchemar. Prête pour ton vaccin? Le médecin fait peur à Molly. Je prends laquelle? Ah, la seringue géante. Non, ça fait trop peur. Prête? C'est parti! Non! Où vas-tu? Au secours, au secours! Une minute. Comme ça, tu ne pourras plus t'échapper. Laissez-moi partir! Qu'est-ce que vous lui faites? Laissez-la partir! Donnez-moi ça! Ça te fait peur? Mais c'est une licorne, ça! Je vais transformer ça en une seringue licorne! C'est trop mignon! Plus du tout effrayant, même avec une aiguille! Regarde, cette licorne veut te faire un bisou! Waouh! Fini! Tu mérites un check pour avoir été si courageuse! C'est nul, les licornes! Oh, ça pique! J'ai envie d'aller aux toilettes! Un serpent? Quelle surprise venimeuse! Je veux le caresser! Je pense pas que ce soit une bonne idée! Ah, oh, il m'a mordu! J'ai entendu crier! Oh non, une morsure de serpent! Il pourrait être venimeux! Fais voir! Il nous faut un pansement. Ah, je sais. J'ai une vieille plaie sur la jambe. Ah oh, ah oh, je l'ai. Ça m'a l'air encore plus venimeux que la morsure de serpent. Voilà, la morsure est couverte. Ça va pas, non? Vous allez lui donner une infection. Prenez ça. Hey! Et maintenant, une vraie solution. La pompe. Je vais m'en servir pour extraire le venin. Et appliquer le spray pour ne pas que ça enfle. Je finis avec un joli pansement Hello Kitty. Tada! Ouais, ça va mieux maintenant. Tu as été si courageuse. Je vais enlever ça. C'est moi, Mario! Je vais monter attaquer Bowser. J'arrive, sale tortue! Waouh, quelqu'un est d'humeur à danser. Oh non! Ma tour Lego! Molly a avalé un Lego. Ouais. Oh oh, le méchant docteur est préoccupé par sa chorégraphie. Que se passe-t-il? Oh non, recrache Molly. Tu vas y arriver. Bravo. Berk, c'est dégoûtant. Attends, j'ai une idée. Un moule Lego? Je remplis le moule de chocolat à la myrtille. Quand j'ai fini, je les laisse refroidir et durcir. Le chocolat Lego est prêt. Waouh, on dirait des vrais Lego. Le meilleur, c'est qu'on peut les manger. Je peux jouer avec en plus. Oh, j'ai faim. Je vais en prendre un bout. Le meilleur chocolat Lego du monde. C'est bon, hein? Eh, bats les pattes. Il est bête, ce docteur. Hein? C'est quoi ce bruit? Oh oh! Et si c'était un monstre sous le lit? Il y a quelque chose qui bouge! Qu'est-ce que... J'ai si peur! Mais il faut que je voie! Oh! Au secours! Ok, quel est le problème? Les échardes? Ça fait mal! Oh là là, un hérisson! Il s'est perdu! Des piquants! Je ne pense pas qu'on puisse raser. On va les retirer avec une pince. Ça me fait peur. J'en ai un. C'est trop de travail comme ça. Aha! Stop! Pourquoi avez-vous ici? Partez. Oh, ma pauvre petite. Il nous faut un kit de premier secours. Une seringue, pour être précise. Je vais m'en servir pour pomper les piquants. Waouh, je sens rien. Ça fait pas mal! Encore quelques-uns! Fiu! Je les ai tous eus! Waouh! Vous êtes génial, docteur! Mes mains peuvent faire un check maintenant! Yes! Check! C'est l'heure de dormir! Ou des friandises pour Molly!
Waouh, regarde cette gélatine au coca. Miam, si sucré. Trop bon. Molly? Qu'as-tu fait à tes dents? Il faut les brosser immédiatement. Non, merci. Tu as de jolies brosses à dents. Regarde. J'en veux pas. Comment la convaincre? Oh, j'avais oublié que j'avais ce bouchon Shrek. Shrek? Oui, il va sortir du dentifrice pour toi. Il faut que tu essayes. Non! Oh là là, mais comment faire? Ne vous inquiétez pas, je m'en occupe. Ok. Regarde, une pastèque avec des dents? Qu'est-ce que c'est? Madame Pastèque a une carie. Je vais donc lui injecter du produit dégoûtant dans les gencives. Puis il faut lui arracher la dent avec cette énorme pince. Non! Tu veux qu'il t'arrive la même chose? Non! Donnez-moi la brosse à dents! Pas mal l'astuce, docteur! Je ne veux pas perdre de dents! Je veux des chips! Pas avec ses mains toutes sales! Je peux en attraper plein à la fois! Trop bon! Et à qui appartient cette main? C'est le méchant docteur! Moi aussi, j'aime les chips! Non! Lâche ces chips toutes sales! Elles sont si gluantes! C'est vraiment dégoûtant! Regarde, tes mains sont infestées de bactéries! Vous devriez avoir honte! Oh, c'est rien, vous voyez? Va te laver les mains immédiatement! Tiens, prends ce savon! C'est pas drôle! Et je n'aime pas l'odeur! Non, j'en veux pas! Comment faire? Mais une lavette? Une lavette et un feutre! Je vais dessiner des visages sur les lavettes et les mouiller avec du savon. Placez-les sur vos visages et... Soufflez! Je fais des bulles! Waouh, c'est pas mal ça! Lavez-vous les mains pendant que vous y êtes. Ne gaspillons pas toutes ces bulles. C'est bon, bien joué! Fini! Mes mains sont propres! Bravo Molly! J'ai souvent mal à la tête. Je suis faim. Oh, du rouge à lèvres. Je vais essayer. Une seconde. Que fait cette petite fille? Oh, je vais goûter. Un moment, s'il vous plaît. Eh, tu ne peux pas manger de rouge à lèvres. Trouve autre chose pour jouer, comme ces AirPods. Un autre rouge à lèvres? Oh, cet enfant! Ah! Non, tu ne peux pas manger de rouge à lèvres. T'as de la chance, j'ai du chocolat. Je ne veux pas de chocolat. Du chocolat et du rouge à lèvres? Je sais. Le docteur mijote quelque chose d'intéressant. Je vais casser le chocolat en petits morceaux comme ceci. Puis je les verse dans un flacon. Et je les réchauffe. Ils vont fondre en un rien de temps. Oh là là, ça va chauffer! On y est presque. Yes! Je vais remplacer le rouge à lèvres avec le chocolat fondu. On ne verra même pas la différence. Le rouge à lèvres au chocolat est prêt à être mangé. Youh, c'était fatigant. Tiens. Waouh, merci docteur! Je suis jolie! Miam! Et je n'ai plus faim! Quel bon goûter! Un bouton? Quelqu'un va se réveiller du mauvais pied! Non! Blerk! Je vais devoir l'éclater! C'est dégoûtant! Heureusement que j'ai une visière de protection! Yo! On va te faire un masque de beauté! Bien sûr, la machine à masque! On va verser de l'aloe vera et de l'eau. Du soda à l'orange? Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Presque fini. J'appuie sur le bouton et la machine fait son travail. Je vais ajouter des paillettes et des vermicelles aussi. Il fait un masque ou une friandise? Fini. Mon invention est prête. Je le place sur ton visage. Tu vas être comme neuf dans quelques minutes. On a un problème? Oh mince! Qu'avez-vous fait?
Zut, j'ai échoué. Oh là là, mais qu'est-il arrivé à ton visage? Vous êtes irresponsable, docteur! Ta pauvre peau! Je pense savoir quoi faire. Que va-t-elle faire avec cette feuille de chou? Cette feuille de chou pourrait te servir de masque. Beaucoup plus naturel. Ok, on attend. Prête? Ça a marché! Regarde comme ta peau est douce! Pourquoi fabriquer des masques quand on a des légumes? Juste à temps pour mon expérience. Oh oh, un tremblement de terre? Oh, pauvre Molly est malade! Malade, hein? Voyons voir. Oh là, tu as de la fièvre! Il faut prendre un comprimé! Il est plus gros que ma tête! Il faut le prendre! Non! Mais... Non? Ah ah! Je sais! Regarde, Teddy prend le comprimé! Je m'en fiche! Oh non! Teddy est têtu! Je vais devoir lui mettre un tube dans les fesses! Le médicament passe par le tube! Tu veux la même chose? Arrêtez de lui faire peur! Ne t'inquiète pas, Teddy va bien! J'ai une meilleure idée! Des nounours et un scalpel? Je vais couper le nounours et cacher le comprimé à l'intérieur. Ok, cette astuce devrait fonctionner. Tiens, Molly, un bonbon. Waouh, un nounours! Il est délicieux! Vous voyez, mon astuce est bien mieux. Voyons les résultats. Attention! Wow! C'était quoi? Une flaque de morve? Dégoûtant! Wow! Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis couverte de morve, j'ai un mauvais rhume! Il va falloir faire quelque chose. Wow! Mets cette pince sur ton nez pour ne plus éternuer. Mais je peux plus respirer! Ce n'est pas la solution. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. C'est un chapeau de papier toilette, ça? Vas-y, essaie d'en détacher. Super facile! Accès instantané au papier! Génial! Bien joué! Je m'en fiche, je suis bien contente d'être débarrassée. Vous avez rempli son dossier? Oui, c'est bon. Et vous? Oui, c'est fait. Il a avalé son chewing-gum de travers? Oh non, il a atterri dans les cheveux de Molly! Oh mince, c'est mauvais ça! Ça ne va pas être facile à retirer. Comment je vais faire? Ah ah! Je vais lui couper les cheveux! Que faites-vous? Il y est presque! Oh là là, non! Quoi? J'essayais de l'enlever! Ce n'est pas la solution! J'ai une meilleure idée! Comment ce coca va-t-il être utile? Il faut juste tremper le chewing-gum dans le soda et il sera facile à retirer. Regardez. Tada! Facile à enlever. Que se passe-t-il? Oh, rien. On remplit juste ton dossier. Ok. Phew, c'était moins une. Wow, du slime! Je le veux! Le rouge me plaît bien. Quelle petite rusée. J'ai trop hâte de le manger. Waouh, tellement gluant! Je parie qu'il a le goût de fraise! Trop bon! C'est mon préféré! Mais normalement, il y en a quatre! Oh non! Tu es vilaine, ça ne se mange pas! Je vais mettre une pancarte autour de ses éprouvettes! Ne pas toucher et ne pas manger! Pas les pattes! Vérifions tes... Pourquoi tu es triste? Je veux manger le slime! Oh, mais ça ne se mange pas! On va fabriquer quelque chose. Il me faut des graines de chia, de l'eau, du colorant alimentaire vert et du sucre. Maintenant, on mélange tout ça. Regarde la consistance gluante. Tada! Je t'ai fabriqué du slime qui se mange. Waouh, ça a l'air bon! C'est meilleur que l'autre! Elle recommence!
Attention! Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Berk! Une seconde, ça vient de ma fille! Tu es malade? Comment tu te sens? Achou! J'ai une idée. Alors, du sirop et une cuillère. C'est parti! C'est toujours la guerre quand il faut donner du sirop à son enfant. Maman va-t-elle gagner cette fois? J'en veux pas! D'accord, alors on fait l'avion. Non, je veux boire du coca à la place. Mais c'est mauvais pour la santé. Oh, j'ai une idée. Et si on mettait le sirop dans la canette de coca? Rien de plus simple. Voilà ton coca. Ouais! Chut! Clary ne sait pas qu'elle est en train de boire du sirop. Clary est chez le docteur pour une visite de routine. D'abord, je vais écouter ton cœur, d'accord? Je veux pas de ça! Ça fait peur! Non, non, non! Allez, je dois examiner ton... Oh, ça suffit, mademoiselle! Je m'excuse pour son comportement, docteur! Hein? Un ballon? Et des orbes? Que fabrique maman? Je vais avoir besoin de ces orbes et du ballon! C'est parti! D'abord, on verse les orbes dans une bouteille vide. Puis, on place le bord du ballon sur l'ouverture de la bouteille. On retourne, on regarde les orbes s'écouler comme du sable dans un sablier. Une fois que le ballon est rempli d'orbes, on fait sortir tout l'air en appuyant. Tada! Un fidget toy! Allez, on retente! Attendez, j'ai quelque chose pour ma fille! Waouh, j'ai jamais vu un jouet aussi mou! Ok, examinez-la pendant qu'elle est occupée. D'accord, voyons voir. Ça a marché. Clary est trop occupée pour voir le stéthoscope. Maman est vraiment maligne d'avoir pensé à cette astuce. Ah, quelle belle journée pour manger une pomme. Quoi? Clary a mangé beaucoup trop de chocolat. Il y en a même dans ses poches. Tous vides. Tu as mangé tout ça? Une seconde. Une pomme et des friandises? J'ai une idée! Commence par trouver un récipient et mets une grille dessus. Remplis-le de yaourt jusqu'en haut. Coupe la pomme en deux et trempe-la dans le yaourt. Soulève la grille et vide le yaourt restant. Ajoute des vermicelles pour les rendre encore plus stylés. Tada! Des sucettes à la pomme! Waouh! Miam! J'adore! C'est bien, ma chérie! Allez, finis là! Pendant que je prends un peu de chocolat en douce. Oh non, une aiguille! Clary ne peut pas se faire vacciner, elle a trop peur! Qu'est-ce qu'on peut faire? Tada! Tu veux un lapin tout mignon? Non! Non? Même un lapin tout mignon ne marche pas! J'ai besoin d'une autre ruse! Le docteur s'est transformé en clown! Voilà la piqûre! Maman! Clary a encore plus peur! Hein? Un papillon? Je sais quoi faire! Ce costume n'a servi à rien! Oh! Un papillon? Avec une seringue? J'ai une idée! Tada! Clary n'a pas peur des papillons! Ça a fonctionné! Courageuse petite! Un hot dog trop bon! Clary, qu'est-ce que tu fais, ma chérie? Salut, maman! C'est pas de la nourriture, mademoiselle! Donne-moi ça! Hé! C'est du rouge à lèvres! Comment elle a pu manger ça? Oh, je sais quoi faire! Du rouge à lèvres et du chocolat? Voyons ce que maman fabrique! Remplis une cuillère de petits morceaux de chocolat et fais-les fondre en les chauffant. Puis verse le chocolat fondu dans un tube de rouge à lèvres vide. Un rouge à lèvres qui se mange! Super! Tiens, il est au chocolat! C'est pas mal pour manger une friandise en se maquillant! Oh là! Clary laisse des empreintes sales partout! C'est dégoûtant! Qu'est-ce que... D'où viennent ces empreintes? Oups! Désolée! Oh! Voici un savon! Va te laver les mains sur le champ! D'accord, je les lave! Tu vois? Oula! Il glisse ce savon! Qu'est-ce que je peux faire? C'est le Lego qu'elle cherche partout! J'ai une idée! Verse dans un bol du savon transparent! Puis ajoute du colorant alimentaire orange! Et mélange!
mélange comme ça. Va chercher ton Lego. Verse les ingrédients dedans. Et remplis-le jusqu'en haut. Mets au frais. Et voilà. Un savon Lego. Mou comme de la gélatine. Lave-toi les mains avec ton nouveau savon. Et le meilleur, c'est qu'il n'y aura plus d'accident avec des savons qui glissent. On dirait que Clary a du mal à manger son petit déjeuner. C'est dur d'attraper l'œuf avec des baguettes. Et maintenant, l'œuf est parti. Reviens ici. Te voilà. Ah, mon œil. Qu'est-ce qui t'arrive? Oh là là, un bleu. Une seconde. Un œuf? Je le récupère. J'ai une idée. Maman utilise l'astuce de l'œuf pour guérir le bleu. Tapote simplement l'œuf sur le bleu pendant que l'œuf est encore chaud. Et le bleu a disparu. Ouais, j'ai plus mal. Je ne veux pas de bouillotte. Je dis non. Oh, qu'est-ce que je vais faire? Eh, c'est qu'ici, Missy. Maman a une idée. Trouve une bouteille vide et mets une cerise sur l'ouverture. Utilise une paille pour extraire les noyaux. Remplis le dos de Kissimissi avec tous les noyaux de cerise et referme-la. Maintenant, il est temps pour Kissimissi d'aller faire un tour de manège bien chaud. Mets-la dans le micro-ondes quelques instants. Ça y est! Sortons-la. Maintenant, tu as une bouillotte Kissimissi. Clary ne se plaint pas de celle-là. Waouh, si chaude! Bonne nuit, ma chérie. Je suis si maline. Clary est occupée. Vite, donne-lui son comprimé. Erk! Bah, ça n'a pas marché. Elle préfère manger des bonbons nounours. Des nounours, hein? J'ai une excellente idée. Je vais prendre un nounours et lui faire un trou. Juste un petit trou. Assez grand pour le comprimé. Parfait. Cette ruse va-t-elle fonctionner? Tiens, un nounours. Elle ne l'a pas recraché. Bien joué, maman. Encore des chips, c'est vraiment pas bien. Heureusement que maman est là avec des fruits et des légumes bons pour la santé. Je déteste ce qui est bon pour la santé. Quoi? Tu ne fais que manger des chips. Tu es vilaine. Qu'est-ce que tu regardes? Rainbow Friends? Ça me donne une idée. Clary, viens ici. Oui, quoi? Oh! En tant que docteur, je dois te montrer ce qui arrive aux enfants qui ne font que manger des chips mauvaises pour la santé. Je vais lui ouvrir le ventre. Tu vois cette substance gluante? Elle vient de tous les aliments qui sont mauvais pour la santé. Il est malade. Ça me fait peur. Oups, essuyons la substance gluante. De la pizza. Un steak. Un burger. On va remplacer avec une bouteille d'eau pour la santé. Et du brocoli. Et une pomme. Maintenant, on recoupe. Ton Rainbow Friend est de nouveau en pleine forme. Je mangerai plus jamais de cochonneries. Je vais manger une carotte à la place. Bravo. Rusé, maman. Les adultes peuvent se permettre quelques chips de temps en temps. Ces Lego ont l'air trop petits. Ça a l'air bon. Miam. Oh non. Oh là là, recrache. Allez, vas-y. Phew, c'était moins une. Tu ne dois pas manger ça, Clary. Une seconde. Des Legos, hein? Voyons. Burk, il y a beaucoup de salive. Mais si elle veut vraiment manger un Lego, je peux arranger ça. Regarde ces flacons de chocolat colorés. Verse-les dans ces moules en forme de Lego. Remplis-les bien jusqu'en haut. On ne gaspille pas de chocolat. Mets-les au frais. Et maintenant, Clary a des friandises Lego. Je peux vraiment les manger? C'est super sucré! Merci, maman! Clary s'ennuie. Vous jouez à quoi? Ça te regarde pas! Clary, c'est mal poli! Je m'ennuie! Je veux jouer! Eh, je t'ai dit de ne pas déranger les gens! Joue avec mon téléphone! Ouais! Mais il ne reste qu'un pour cent de batterie! Je peux pas jouer dessus! Oh mince! Il faut que je trouve un autre moyen! Ah, je sais! Prends un sac en plastique de la taille d'un téléphone et verse des paillettes dedans. Ajoute de l'eau pour faire flotter les paillettes. Trop stylé! Place-le à l'intérieur de la coque.
Recouvre-le et remets le téléphone dans la coque. Quelle super idée pour rendre une coque de téléphone plus sympa! Regarde ça! Waouh, des paillettes! Regarde, elles flottent! C'est génial! Ouh, heureusement que ça a marché! Waouh! Regardez toutes ces cerises! J'adore ça! Je vais toutes les manger! Rien ne pourra m'arrêter! Oh oh! Elle s'étouffe! Viens ici, Molly! Oh non! Allez, recrache! Et voilà les noyaux de cerises! Wow! Des coups de feu! Il pleut des balles! Aux abris! C'est fini? Oh, 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 oh. Ça va mieux! Respire bien fort! Comment faire? Regarde! Une bouteille de coca? Je vais mettre une cerise sur le haut de la bouteille et pousser le noyau à travers à l'aide d'une paille. Et d'un, on continue! Vous ne saviez pas? Je suis une experte. Je pourrais le faire les yeux fermés. Merci, maman! Approchez-vous! Remontez votre manche. Ah, oh, ça fait mal! Au suivant! Oh! Au suivant! Ah! C'est à qui? C'est à toi, petite fille! Viens par ici! J'ai peur! Oh non! Sa seringue ressemble à un monstre! Prête? Non! Tu sentiras juste comme une petite piqûre de fourmi. Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste les aiguilles! Ça ne va pas aller! Comment la convaincre de se faire vacciner? Oh! Des barrettes en forme de papillon. Je sais! Je vais la mettre sur l'aiguille. Elle ne paraîtra pas si méchante comme ça. Ouah, un papillon sur moi! Ça a marché! Vaccination accomplie! Alors, c'était pas si mal! À vous, monsieur l'agent! Moi... non, non, non! Tu vois, tu as plus de courage qu'un policier. Concentration! Elles arrivent! Les fraises sont sorties! Phew! Quel soulagement! Du papier journal? Je sais pas quoi en faire! Vous êtes si drôle! C'est quoi cette odeur? C'est pas moi! Maman, tu peux venir? Ça sent les œufs pourris! Oh là! C'est toi qui dégage cette odeur? Voyons voir. C'est dégoûtant! Tu n'as pas essuyé tes fesses! Viens ici! Oh là là, quelle odeur! Je sais pas comment m'essuyer! J'arrive pas à réfléchir avec cette odeur. Attends. L'agent est dans les pommes et il y a des ballons là-bas. Je saisis ma chance! Ce n'est pas le moment de faire la fête. Que fait maman avec ses ballons? Je vais t'apprendre à t'essuyer les fesses. Le Nutella va nous servir d'exemple. On va l'étaler entre les ballons. Tu vois? Maintenant, pour l'enlever, tu essuies avec une lingette. Quand tu as fini, tu la plies et tu la jettes. À ton tour. D'accord, j'essaye. J'essuie comme ça. J'ai réussi! Bravo! Fini les mauvaises odeurs maintenant, d'accord? Vous ne devinerez jamais où Molly cache ses réserves de nourriture. Dans les toilettes! Ah, mon burger Pikachu, ça fait tellement longtemps que j'en ai envie! Délicieux! Cette carotte est bien croquante. Quoi? Molly, qu'est-ce que tu manges? Mon burger Pikachu! Encore de la malbouffe! Ça suffit! Désormais, tu mangeras plus de légumes. Super, le médecin est là. Viens avec moi. Docteur, pouvez-vous apprendre à ma fille comment bien manger? Elle ne mange que des saletés. Un dessin de Pikachu? Que mijote le médecin? Regarde ce Pikachu. Il est malade. Et tu sais pourquoi? On va lui ouvrir le ventre pour le révéler. Incision! Il y a beaucoup de liquide toxique. C'est dégoûtant! C'est à cause de la malbouffe. Et
essuyons ça avant de procéder à l'extraction. Voyons. Pizza. Frites. Burger. Un maxi en plus. Comment a-t-il pu manger tout ça? Je vais les remplacer par du brocoli. De l'eau. Une pomme. Un pansement pour refermer. Et Pikachu est en pleine forme. J'ai bien regardé. Alors mange des légumes. Ça fait vraiment peur. Maman, donne-moi cette carotte. Il faut que je retrouve la forme. Bien joué, ma fille. Je vais me nettoyer le visage. Nom d'un petit bonhomme. Hein? Maman! Que se passe-t-il? Molly! Voyons. Des boutons? Ok. Je vais les éclater un par un. Accroche-toi! Aux abris! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégoûtant? Vous! Que faites-vous? Oups! Pardon. Oh! Je sais comment te sauver. Un gadget qui va pomper le pu. Je le place sur le bouton. Et je pompe. Blah, je vais m'abstenir de manger du fromage pendant un bon moment. Mon front est tout doux. Malin, non? Tu es la maman la plus maligne du monde. Laissez-nous sortir. Taisez-vous. Attention. Ah! Comment osez-vous blesser ma fille? Oh mince! Une urgence! Je vais appeler le médecin! Le voici! Entrez, docteur! On dirait qu'il y a un problème ici! Ne t'inquiète pas, cet appareil de radiographie va nous dire ce qui ne va pas! Oh oh! Ton poignet est cassé! Cassé? Oh non! Ma pauvre petite! Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il va lui falloir un plâtre! Un marteau et un burin? Ça va aller vite. Tu vois, c'est fini. Ça me gêne. Merci, docteur. Il faut juste qu'elle le porte quelque temps. Quoi? Enlevez-moi ça! Non, Molly, tu vas te faire mal. Je peux pas jouer avec un plâtre. Voyons voir. Le gant de l'infini de Thanos? Je sais. Je vais transformer ton plâtre en gant de l'infini. Waouh, j'ai des pouvoirs! Je vais me débarrasser de ce docteur! Non! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait disparaître le méchant docteur! Oh, on dirait que quelqu'un prend un bain de slime! C'est Molly! Elle a un rhume! Hein? Attends que je t'enlève cette morve! Arc! Ne t'inquiète pas, j'ai du sirop pour la toux! J'aime pas ça! Je veux ça à la place! Là! Quoi? J'ai trop hâte de goûter à ces candy sprays! Oh! Ça pique, mais c'est tellement bon! Quoi? Il est vide? Au revoir! Un candy spray? Un vrai trésor, ça! Bingo! Il est vide? Mais j'ai une meilleure idée! Tu veux du candy spray? Oui! Alors ferme les yeux d'abord. D'accord. Je vais échanger le candy spray contre le sirop pour la toux. Et voilà. Miam, c'était bon. Et je suis sûre que tu te sentiras mieux très vite. Je vais rajouter des vermicelles au citron sur ma sucette. J'adore les sucettes WC. Allons-y. Miam. Ah! Oh non, la dent de Molly bouge. Que s'est-il passé? Ta pauvre dent! Il va falloir l'enlever! Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah ah! De la ficelle! On va faire ça à l'ancienne! Je mets de la ficelle autour de ta dent et j'attache l'autre bout à la porte. Tu es prête? 1, 2, 3, Monsieur l'agent, au secours! Pam, pam, pam! Quoi? Un appel de détresse? Lorsque l'agent tire sur la porte, la dent de Molly tombe. Mais tirer Molly ne faisait pas partie de la stratégie. Ma dent est toujours là! Un échec monumental. Un pistolet nerf?
Je sais comment faire. Ne tirez pas! Les fléchettes Nerf sont beaucoup plus rapides. Je vais donc attacher le bout de la ficelle à une fléchette. Tu es prête? Je tire! Ça a marché! Ma dent est tombée! Je peux voir? Super! Tu as été vraiment courageuse, ma chérie. Heureusement que la fléchette est allée dans le mur. Maintenant, il est temps d'appeler la petite souris. Waouh! Molly avait un burger en pâte à modeler. Ça a l'air trop bon! Je me lance! Non! Arrête! Aïe! On ne mange pas ça! Fini les burgers! Tu l'as détruit! C'est pas gentil! Je me sens coupable. Attends que je réfléchisse. Ah! Je vais fabriquer de la pâte à modeler qui se mange. J'ai faim! Quoi? Une pizza en pâte à modeler? Je peux vraiment la manger? Miam! C'est trop bon! T'en mérites un bout, maman. Tiens! Merci, ma chérie. C'est bon! Oups, j'ai pas fini mes besoins. Des échardes sur le banc? Attention! Hein? Maman, aide-moi! Arrête de courir! Montre-moi! Oh là là, une écharde! Docteur, docteur! Aidez-nous! Ma fille est blessée! Que puis-je faire pour vous? Ma fille a une écharde! Je déteste les docteurs! Une écharde, vous dites? Il va nous falloir cette pince! Je rentre! Montre-moi où est l'écharde! Non! C'est trop gros! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Et votre seringue, docteur? Que fabrique maman? Tourne-toi! Je vais t'enlever cette écharde moi-même. Tu ne sentiras rien quand la seringue fera son travail. J'y suis presque. Elle est sortie! La grande méchante écharde ne te fera plus de mal. J'ai rien senti! Mais... Bon, j'ai plus rien à faire ici. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Ce poisson n'est même pas cuit! J'arrive pas à le manger! Maman, j'ai mal aux pieds! Pourquoi? Que se passe-t-il? Voyons voir. Oh non, sa chaussure est trop serrée! Ses pauvres doigts de pied sont tout enflés! Oh non! Je vais souffler dessus pour les soulager. Quoi? Un clown? Bonjour monsieur, je peux avoir ces ballons? Ma pauvre fille est triste et je voudrais la faire sourire. Eh bien, c'est interdit d'être triste. Je vais lui montrer quelques-uns de mes tours. Un ballon en forme de chien devrait la faire sourire. Ça suffit, les tours! Dans ta cellule! Que va faire maman avec ses ballons? Je coupe le bout de ses ballons. Et je les place autour des doigts de pied de Molly. Chacun son ballon. Cela leur fait une protection instantanée. Tu peux remettre ta chaussure. Confortable, non? C'est comme si je marchais sur des nuages! Ouais! Eh bien, elle va courir toute la soirée.